De son passage à Star Academy, Magali va et garde le souvenir d'une période un peu compliquée. Éloignée de sa famille, la jeune chanteuse voit son poids être au centre de l'attention. Les professeurs la poussent à perdre quelques kilos au château, les médias commentent sa silhouette, et l'académicienne opère une transformation physique jusqu'à la finale du programme qu'elle remporte. On m'a demandé de perdre du poids. On m'a fait comprendre que je ne faisais pas rêver les gens. Quand t'as 18 ans, on se prend ça en pleine tronche. Ça fait mal, confesse Magali Vaé dans l'émission Chez Jordan, diffusée ce vendredi 2 juin sur C8. Blindée face aux critiques, la maman d'Eliane ne se laisse plus abattre par les critiques sur son physique. « Si vous attendez que je maigrisse », lance-t-elle précisant qu'elle refuse de se plier aux diktats de la minceur. Supérieure à supérieure à avant-après, les pertes de poids les plus spectaculaires des stars viennent dans son corps, Magali va et répond aux critiques « J'ai perdu du poids, mais je n'ai pas envie d'être comme ça, non plus », elle lève le petit doigt, note de la rédaction. Ça ne serait pas moi, lâche avec le sourire l'interprète des titres La Crapouille et Je ne suis qu'une chanson. Si aujourd'hui Magali Vaé se sent bien dans son corps, cela n'a pas toujours été le cas. Elle se souvient des photos volées d'elle en bikini sur la plage. Pour moi, le fait de me mettre en bikini, c'était un pas. Pendant plusieurs années, je me suis renfermé. Je ne dis pas que c'était compliqué d'aller à la plage, mais je ne mettais plus de bikini, explique-t-elle. C'était encore de la moquerie, ce n'était que du négatif. La chanteuse de 36 ans rappelle alors qu'être ronce n'est pas forcément, bouffer du fast-food et toute la journée, parce que ça, si est-il des messages que je peux recevoir. Alors que non, j'ai revu toute ma diététique pour ma fille, révèle Magali Vaé. Avant de conclure, il en faut pour tout le monde. Il faut s'aimer pour soi, pas pour les autres. Crédit photo, capture d'écran C8 chez Jordan. But there's all times through the rough times I've been.